Je suis Adolphe Rousseau, je suis spécialiste des programmes. Ça fait des années que je contribue au développement, surtout au développement durable. Ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est une idée qui me touche personnellement, c'est la dégradation de la biodiversité au niveau de la planète. Selon le rapport des Nations Unies, l'année passée, en 2019, 1 million d'espèces sont éteintes d'ici quelques dizaines d'années. Ben ça c'est énorme. Toutes ces espèces-là contribuent à la richesse de la planète, au bon fonctionnement de la planète. Je veux dire, je nomme, je cite, la pollinisation, la transformation des matières organiques en d'autres matières organiques qui sont nécessaires pour l'alimentation d'autres espèces. Elle contribue aussi à la transformation de l'énergie du soleil pour qu'elle soit aussi une autre forme d'énergie disponible aux autres espèces. Et tout ça impacte notre bien-être en fonction de l'atténuation de changements climatiques, des effets du changement climatique, une bonne production agricole, une résilience en face des catastrophes naturelles. Ce qui me tient au cœur aussi, c'est le cas du Liban. Le Liban, si on le regarde en matière de biodiversité, c'est un pays très très riche. Mais si on continue à fonctionner dans la direction avec laquelle nous fonctionnons, peut-être ça se réduira à quelques petites espèces, un chat, un chien, une méduse dans la mer qui feront notre biodiversité. Il est temps d'agir. Le Liban est très très fragmenté. Il est très. Ça fait depuis le début de la guerre qu'on n'a pas eu la chance de le réparer. Il est temps d'agir ensemble. Il est temps de réparer les erreurs de notre passé.